Bonsoir, tout le monde, je suis content pour moi capable ensemble avec vous jeudi à pour moi capable partager une vidéo de motivation. Et ça fait longtemps que nous pas partager vidéo. En fait, moi c'est Richard Lyon, moi j'ai une page Facebook qui c'est Richard Lyon. Montez sur Facebook, like page là où après toute information, toute vidéo de motivation, tout travail nous fait, toute confiance nous fait ensemble avec des jeunes. Donc avant, moi salue My Vision, GMC. Toujours avec nous, cap partager, cap bon nous quelques images qui sont assez importantes et intéressantes. En fait, je dis à mon grand sujet qui est assez intéressant, c'est comment passer de l'échec à la motivation. Comment passer de l'échec à la motivation. Et moi, j'ai une personnalité chinoise que moi, je vais partager ensemble avec nous, qui est né Jack Ma, côté que Jack Ma, et ses fondateurs Alibaba. Et pendant que m'a expliqué parcours Jack Ma, ou du moins pendant que m'a expliqué échec Jack Ma prend côté que lui motivé, nous avons trois points qui sont essentiels. Premier point, c'est chercher à reconnaître vos lacunes. Deuxième point, c'est faire preuve d'audace. Troisième point, c'est essayer une fois de plus. Maintenant, qui est Jack Ma? Jack Ma, c'est de vrai nom, il y aurait les Ma June, ou du moins Jack Ma. Il est né le 10 septembre 1964 à Hangzhou, est un homme d'affaires chinois. Maintenant, il a été rejeté plus de 10 fois de la société, mais grâce à son sens de motivation et de dynamisme, il est devenu finalement l'un des hommes les plus riches en Chine. En créant le groupe Alibaba, il a été vraiment un homme dévoué, donc il a passé de l'échec à la motivation. Jack Ma a échoué plusieurs fois à l'université, il a échoué plus de 10 fois à l'école secondaire. Mais finalement, il est devenu le créateur d'Alibaba, qui est un groupe, un commerce en ligne. Maintenant, premier point qui c'est chercher à connaître vos lacunes. Maintenant, Jack Ma, t'es un monde qui est assez intéressant, malgré que t'es rejeté dans la société. Mais il essaie de chercher lacunes, qui bon, qui est faiblesse. C'est de même pour vous-même. Essayez capable de garder pour vous qui bon, qui est faiblesse, qui lacune ou gagne. Une fois que vous reconnaissez lacune, une fois que vous reconnaissez faiblesse, une fois que vous reconnaissez ça que qui fait ou pas réussir, depuis vous réalisez, vous êtes capable de travailler sur lui. Deuxième point qui c'est faites preuve d'audace. Jack Ma lui fait preuve d'audace. Pour qui ça? Parce qu'il y a rejeté dans la société. L'école rejeté, tout côté rejeté. Mais il fait preuve d'audace, il agit, il sort dans la zone de confort, hein, et puis il agit. Donc, agir lui en permet à ce qu'il est capable de réussir. Et troisième, non, qui c'est essayer une fois de plus. Jack Ma, pendant que il était rejeté plusieurs fois dans la société, mais il est d'accord, il a essayé à chaque fois pour être capable de jouer un succès et motivation. Il était besoin. Donc, ces personnalités chinoises sont moins présentées, nous qui c'est Jack Ma. D'armes nous allons faire plus de recherches sur Jack Ma pour nous connaître qui est Jack Ma. Donc merci, j'aimerais dire nous, moi c'est Richard Léon, montez sur page là, like et puis après toute vidéo de motivation, nous gagnons. Nous saluons encore My Vision et GMC qui est toujours là pour nous, qui a partagé des vidéos pour nous. Donc merci à vous-même, moi j'aime nous en pile, toujours motivé parce que la motivation c'est ça qui permet à ce que vous réussissez, ça qui permet à ce que vous réalisez. Merci beaucoup, à la prochaine mes amis, je vous aime beaucoup. Bye.